Rebonjour messieurs, dames, on se retrouve ici à Deauville en live avec Tanguy Saliou du Haras de l'ANF pour le deuxième volet du grand jeu concours de la Saint-Valentin. Comment faire plaisir à vos chères dames? Le Haras de l'ANF a trouvé la solution avec ses nombreux étalons prêts à faire feu en ce 14 février et notamment Ebro River, deuxième saillie offerte par le Haras de l'ANF, Dorothée et Tanguy Saliou. Alors même topo, mon petit Tanguy, Ebro River, qui est-il? Que va gagner l'heureux élu? Alors Ebro, c'est un cheval qui fait 1m62, il a gagné les Phoenix Stakes, qui est le premier groupe 1 pour chevaux de 2 ans en Europe. Donc c'est un cheval hyper précoce, il est également 3e des Vincent Brien Stakes, qui est la course suivante, le groupe 1 suivant. Donc c'est un vrai cheval de groupe 1 à 2 ans, vitesse et précocité. Les Phoenix Stakes ont été gagnés par de nombreux étalons, Mastercraftman, Vergla, Pedro The Great, Invincible Spirit, une tartine de très bons chevaux, et donc on espère que ce cheval-là produira également. Et oui, si on avait que des tartines comme ça, on aurait tous des bons petits déjeuners. Ça c'est fait. Nous avons notre bonnet magique regroupant tous les participants à Ebro River. On rappelle, en tout sur Yafta et Ebro River, nous avons eu plus de 150 participants que nous remercions tous, évidemment, et ainsi que Tanguy, j'imagine. Merci. Ouais. Nous les remercions pour cet engouement autour de ce grand jeu concours de la Saint-Valentin. Il est temps de dévoiler, mon cher Tanguy, avec ta main innocente, le gagnant ou la gagnante de la saillie de Ebro River. Allez, on pioche. Allez. Yvette Pantal, mais regardez donc ça. Yvette Pantal, bien sûr, éleveuse avec son mari Henri Alex Pantal, un gars de l'Ouest, un entraîneur à succès c'est de l'Ouest. Belle Saint-Valentin pour Monsieur Pantal, ça. Belle Saint-Valentin pour Monsieur Pantal et pour Madame Pantal, bien sûr. Exactement. Yvette Pantal, qui, alors qu'elle est le nom de la jument, femme de Venise. Femme de Venise. Une femme de Beaupréau, en l'occurrence. Voilà. Beaupro, comme on dit par chez nous. Qui a gagné la saillie d'Ebro River pour sa première saison. Et bien bravo à Yvette Pantal et du coup à Henri-Alex Pantal, qui aura, j'imagine, peut-être l'honneur d'entraîner l'un des produits de première génération d'Ebro River. Tanguy, il nous faut aussi, bien sûr, une suppléante. Ouais. On pioche un petit peu quand même aussi. Évidemment. Hop, top. Alors, l'écurie Carcosa, Manque Seco. L'écurie Carcosa avec Manque Seco, bah oui, c'est une entraîneur tchèque qu'on voit bien souvent, et Manque Seco, c'est une jument qui court encore, mais qui va du coup, si elle l'a inscrite, bientôt arrêter sa carrière pour SAI par Ebro River, une jument qui vient d'être deuxième à Chantilly, hein, donc pas mal du tout. Et bien voilà, notre cher Ebro à sa gagnante, Yvette Pantal, que l'on félicite, et l'écurie Carcosa avec Manque Seco en suppléant. Merci Tanguy de nous avoir accompagnés pour ce grand jeu de la Saint-Valentin. Merci à tous d'avoir participé. Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire toi ce soir pour la Saint-Valentin? Eh ben, ce soir, je vais m'occuper de mes chevaux déjà, parce que c'est eux qui nous font vivre, donc il faut bien s'en occuper. Et puis après, on ira peut-être boire un coup avec l'équipe de France Cire pour fêter ça. Ah là là, une Saint-Valentin avec Tanguy Saliou, vous en aviez rêvé, nous l'avons fait. Merci Tanguy, merci Haras de l'ANF, merci à Yafta, Ebro River. Yvette Pantal pour Ebro River, on le rappelle, et Tracy Menuet pour Yafta. C'était le grand jeu concours de la Saint-Valentin. Et en attendant la prochaine, nous vous souhaitons plein de succès et de réussite, notamment ce soir. Ciao.